Le peuple était en attente, nous dit Saint Luc. L'actualité nous le montre quotidiennement. Le peuple attend du changement, de la nouveauté, une transformation de notre société. Il le dit, il le crie. Oui, les peuples d'aujourd'hui sont en attente. Et dans notre monde, parfois résigné, où l'envie de baisser les bras nous guette, il est important de se rappeler que nous sommes toutes et tous faits d'attente. Mais de quelle attente parle l'Évangile de ce jour? Qu'attendons-nous réellement? Du bonheur? De la reconnaissance? De la sécurité? De l'avoir? Du pouvoir d'achat? Des relations vraies? Attendons-nous réellement ce qui est bon pour nous, ce qui nous construit? Le temps de l'Avent nous rappelle que ce qui fait grandir l'humain, c'est toujours une attente. Mais pas une attente insatisfaite, insatisfaite de ne pas voir arriver ce qu'elle attend. Pas de celle des êtres insatisfaits et jamais contents. Parce que, lorsqu'on y réfléchit bien, la vraie attente ne sait justement pas ce qu'elle attend. Cette attente du temps de l'Avent nous invite justement, précisément, à bien attendre, c'est-à-dire à bien veiller. La juste attente est de la bienveillance. Elle ne s'impatiente pas. C'est cela l'invitation de la lettre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien. En toutes circonstances, priez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Oui, une telle attente sereine nous pousse à construire patiemment de l'avenir, pas à précipiter le futur que nous prévoyons pour nous-mêmes. Alors, quel que soit notre âge, nous avons tous à bien attendre, à nous éveiller chaque jour à la vie, à être curieux de tout, à être surpris par ce que nous n'imaginons pas. Alors, notre attente deviendra fondamentalement une joie, une démarche qui nous fera sortir de notre somnolence, de notre hébétude. Attendre consistera à s'éveiller à la vie de Dieu pour lui permettre de naître, d'advenir. Bien entendu, certaines attentes peuvent particulièrement nous énerver, surtout lorsque ce que nous savons qui doit arriver n'arrive pas, ne survient pas comme nous l'espérons. Lorsque le train ou quelqu'un se fait attendre, l'impatience grandit bien vite et la violence n'est jamais loin. Mais l'attente de l'Avent ne consiste pas à attendre ce que nous connaissons, un Dieu à notre image, mais à s'ouvrir précisément à cet inconnu de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Car le Dieu qui vient à Noël n'est pas celui que nous croyons connaître. L'attente de l'Avent nous invite ainsi à changer complètement notre regard sur la vie, sur le monde, afin d'être peut-être à l'avant-garde d'un monde nouveau, transformé, qui sait encore offrir de la joie. Oui, toutes les lectures de ce dimanche nous parlent de cette joie-là. Réjouissez-vous, nous dit saint Paul. Réjouis-toi de tout ton cœur, nous dit le prophète Sophonie. Attendre, c'est donc cultiver cette joie profonde en toutes circonstances. Elle nous pousse à combattre ce pessimisme ambiant, cet égoïsme, ce défaitisme. La vraie joie est un décentrement. Elle consiste à être capable de trouver son bonheur, sa joie, dans la paix de Dieu qui nous renouvelle par son amour. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, telle est la question fondamentale adressée à Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas de changer de vie, mais de changer sa vie, pour y voir cette joie profonde, malgré les aléas de l'existence. Et que faire donc, quand il faut attendre et que nous ne savons pas vraiment ce à quoi nous attendre dans notre vie?
Eh bien, revenons à l'Évangile qui nous offre une petite clé toute simple. Alors que différentes demandes sont présentées à Jean-Baptiste, ce dernier ne répond pas une réponse unique. Il offre un conseil ajusté à chaque groupe. Il ne propose pas des slogans ou des grandes formules universelles. Il n'est pas le sauveur, mais il permet sa venue. Ses conseils n'ont rien d'extraordinaire ni d'impossible. Le message de Jean le Baptiste est en fait extraordinairement subversif. Il dit au peuple très exactement ceci. Dans votre attente, faites ce que vous devez faire et faites le bien. Faites-le patiemment, tranquillement, avec persévérance. Il ne dit pas fondamentalement ce que nous devons faire, mais comment nous devons le faire. Faites-le bien avec courage, avec douceur, de manière ajustée. N'en faites pas trop, n'en faites pas trop peu. Contentez-vous de votre solde, ne soyez pas violent. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, cultiver cette joie-là, cette joie qui se goûte dans la multitude des petits gestes ordinaires de la vie. C'est cela la bienveillance, attendre en faisant le bien. C'est-à-dire bienveiller avec sollicitude sur nos proches. Une telle attention aux autres nous permet d'attendre le tout autre. Alors, et alors seulement pourra surgir de l'imprévisible dans notre vie, oui, dans la banalité de notre quotidien, lorsque tout semble routinier ou peut-être pénible, une joie autre que celle que nous prévoyons pourra advenir. Car en faisant patiemment ce que nous devons faire, mais avec bienveillance et sollicitude, nous nous préparons, nous nous apprêtons à attendre et à accueillir celui que nous ne connaissons pas. Amen.